Ma peinture, c'est tout simplement le résultat de mes expériences de vie, de tout ce temps passé derrière un feutre, une bombe ou un pinceau. C'est un mix de tout ce que j'ai pu faire ou expérimenter depuis mon adolescence. Le sujet est bel et bien présent et je peux pas faire autrement que de le traiter frontalement. Il tendrait à être statique, donc j'essaie de lui apporter un certain rythme, de la fraîcheur. J'essaie de le dépoussiérer. Je pars du principe que la vie est comme une maison, il faut explorer les moindres recoins, aller dans la cuisine, en foutre partout le plan de travail, se pendre au lustre dans le salon, dans les chambres, sauter sur les lits, fouiller les armoires, voilà. Il faut tout explorer et ne pas se réduire à ce que l'on connaît déjà. Je juge mon travail avec le temps et le recul. Il faut laisser passer du temps et c'est comme ça que l'on peut libérer son esprit critique et accéder à un autre échelon. Mon esprit est toujours en éveil. C'est sans cesse un travail sur soi et derrière l'apparence d'une toile, il y a toujours un conditionnement psychologique perpétuel. Je me vois comme dans une bulle et je ne peux plus en sortir et finalement, jusqu'à ce que ma vie s'arrête, ou peut-être pas, je sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis condamné à réfléchir encore et encore à l'évolution de ma peinture.